Cette émission n'est qu'une parodie et ne représente en aucun cas une attaque à une personne. Bref, c'est juste un joke, ok? Prends-le comme un joke, c'est tout. L'humour, l'humour. Salut les fidous! Aujourd'hui, il est vendredi 5 mai. Bienvenue dans le Zonal. Voici ce qui vous attend ce soir dans votre journal. Au sommaire, on va évidemment parler de cette alliance qui, selon le leader du Parti travailliste, ferait peur au gouvernement. L'alliance PTR-MMM-PMSD, est-ce que c'est une alternative pour les prochaines élections? Réponse avec le principal intéressé. Lydia Non a été rencontré un voleur qui tient perro de coquin dans la case. Après, il a réalisé qu'il au fait était propriétaire de la casa. C'est un policier! Linga attrapé. Lydia nous amène un peu plus de détails dans son reportage Sans frontières. Et puis bien sûr, nous nous quitterons avec le commentaire qu'il ne fallait pas rater. Mais qui dit Zonal dit bien sûr fausse publicité. Je peux faire un meeting politique et je bisagne du monde pour contre la foule. Ah ben, haïe moi avec getdiritiakari.com. Bon, quand contre la foule là pour vous, le seul coût ou passe des 5 000 ou 20 000. Vous comprenez? Get comment me compter. 20. 42, 58, 20 000. Scra! Une alliance se prépare. L'alliance Parti travailliste PMSD-MMM. Une alliance qui, selon le leader du Parti travailliste, ferait peur au gouvernement. Alors, est-ce que cette nouvelle alliance fait vraiment office d'une alternative pour les prochaines élections? Est-ce que vraiment Dimoun pour voter sa leader-là encore? Réponse avec le principal intéressé, reportage. Monsieur Ramaga, bonjour. Bonjour, ouais, ouais. Bonjour. Ouais, ouais, ouais. Oui, alors, nous pouvons dire, et nous avons besoin de causer pour faire l'alliance, pas pour faire, puis négocier, c'est pas qui était. Bonjour, bonjour. Ok, ça, nous pouvons faire une alliance, nous faire une alliance. Nous avons un programme, nous avons un petit coup qui nous faire. Nous avons quand même existé, faire l'alliance, nous faire l'alliance. Hein? Donc là, nous pouvons faire un progrès avec camarade Xavier, camarade Paul, nous pouvons discuter. Hein? Ouais, okay. ouais. Et vous pensez que c'est dans un sens de gagner l'élection? Parce que... Et ça, nous avons une alliance qui fait peur. Hein? Où le Premier ministre, s'il peut causer, il peut s'attaquer. Il peut faire une attaque personnelle. Hein? Il peut faire une attaque personnelle, il peut attaquer moi. Mais nous, vous connaissez, il y a un saying qui ne m'a pas habitué à dire. Si tu dis, il n'est pas venu en nier ça quand on rôde. Ou de ça qu'il y a un pied mangue qui peut nous mangue. Mais nous peut nous mangue là, nous. Il peut rôde ça qu'il nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il peut paniquer. Il peut paniquer pour nous rendre, il peut paniquer. Donc forcément, ça fait moi rappel qu'il s'est certainement nous dans nos sens. Qui fait non. Ok. Bon, capable, c'est que je vous dis, là, il est capable un petit peu fâchant, mais ou quand même une petite d'élection. Ou pas quoi, comment dire, il arrive là pour step down ou laisser quelqu'un d'autre un petit peu plus jeune pour donner la chance quand même au parti, non? Guette-moi comment mon corps jeune. Enfin. Mon corps jeune. C'est vrai, hein? Blanc. Capable, mon CV blanc, capable. Capable, mon CV blanc, capable. Mais, moi la tête encore colorée. Hein? Enfin. Mon CV blanc, mais. Qu'est-ce que ça? Si moi aller, qui ça n'a pas? Et dans les autres du monde. On vient sur gros la voix pour faire tout du monde père. Sakil, avec ce physique séduisant, il peut séduire tout bonne madame, ça capable de créer une émeute. Qui s'en a resté? Patrick Assiavaden? Oui, mais il n'y a Patrick Assiavaden. Mais moi encore capable de servir la population. Mais moi, c'est bien la population. Et qu'est-ce que ça trio qui nous est là? Moi, camarade Paul, camarade Xavier. La jeunesse, la fraîcheur, hein? Enfin, la fraîcheur... Ou pas d'accord, moi, là? Non, ou pas d'accord, moi, c'est ça que vous pouvez dire. Ou pas d'accord, moi? Non, mais... Pas pour caméra, là, là, là. Qui ou pas d'accord, moi? Ou pas d'accord, moi? Non. C'est un problème, là, ou pas d'accord? Pas pour caméra, t'es interview, là, t'es interview, là. Qui ou pas d'accord, moi? Moi, zen! Oui. T'es caméra, mon Dieu, t'es! À présent, place à notre reporter sans frontières, Lydia Non, qui a été à la rencontre aujourd'hui d'un voleur qui n'a le coquin d'un lacaze et qui après n'a le réalisé qu'il en fait c'est lacaze un policier. Lydia Non, bonsoir.
Salut Vincent, salut tout le monde. Lydia, dis-nous un peu qui lui peut dire Bougla, qui a attrapé qui tu peux rouler de cocaïne à la case de la police. Dis-nous. Ah ben oui, effectivement, me retrouve-moi devant prison avec sa voleur-là. Monsieur Voleur, bonjour. Bonjour. Alors, tiens-moi, qui n'arrive, monsieur Voleur? Qui me dit de cette situation-là? Qui est un coquin comme ça? Non, au fait, je connais ce malentendu, hein. Au fait, moi, ma tante, là, je dis, ma passeport de hier. Tu vois, ma petite, après, tu sais, que tu me connais, ma petite, parfois, je manque de trache commission. Je passe mal, là, moi, je viens de ma tante, je dis, moi, je passe de hier, je viens de prendre. Mais là, je dis, là, pour pas te ouvrir. Puis, mon passeport de hier, je connais, tiens, la fenêtre. Je ne sais pas la fenêtre, là, moi. Mais, ben, là, petit, l'argent, tu sais, là, tu peux prendre. Non, mais on connaît les temps, on peut fouiller, on peut rôder du sel. Mais on peut trouver un petit kit l'argent, un peu plus de billets par là. Ouais. Mais on prend mon mettre dans mon poste parce que l'argent pas bon, on laisse traîner comme moi, hein. Oui, oui, bon, d'accord. Mais hein, là, on ramasse tout ça là, c'est le coup là, là, moi, tu peux tout, moi, j'ai mon portable, mon laptop, ça, tu peux traîner. Moi, j'ai mis ça, si moi, quand on ramasse, moi, je vais mettre mon retard avec l'autre, moi, c'est servir à moi. Ah, major, tu peux mettre un petit load. Oui. Mais on m'a une petite question. Quand on pose sur les pieds, quand on descend, qui qualité comment dire mob de tirer là-bas hein, parce qu'ils m'ont intéressé ça m'a fait là et m'a fait flooring et si je te servis SPC flooring. Mon mari on est pas mangé moi monsieur ça fait mal pour dire pas de coquin moi. Non moi peux dire SPC flooring là parce qu'ils nous ont malade les waterproof ça mais mon tangier il fait l'humidité beaucoup quand on pose sur les pieds on a des petits mouillés. Non comment tu peux me libérer les chimouillés mouillés parce que mon cousin tu fais pas ce mot mais c'est maman c'est qui me l'a posé mon manque coquin moi. Non n'est pas une question coquin pas une coquin on peut dire ça SPC flooring là parce que on peut dire pas comment ça bientôt là à cause même où on a l'expérience une monstre là on peut demander comment il était cette sensation comment il était. Madame vous pouvez demander pourquoi il m'a sorti de la prison. T'as pas cause SPC flooring avec mon manque avec du hein. Alors voilà Vincent, moi j'ai un peu l'information pour vous, moi pas connaissez pas stand burn information ou wrong information. Mais en tout cas voilà, c'était mon petit reportage pour vous, mon rendre toute l'antenne. Tu dis 5 pour moi? Pas qu'on est là, hein? Passez là-bas pour moi s'il vous plaît. D'accord, allez right, merci beaucoup Lydia qui donne-moi un bout de l'antenne. C'est un lamance parapluie. Restez avec nous puisque dans quelques instants, eh bien, on vous donnera le commentaire qu'il ne fallait pas rater. Et le commentaire de la semaine dernière qu'il ne fallait pas rater. Vraiment, il ne fallait pas rater ce commentaire-là. Vous êtes, écoutez-moi bien ça. Il s'agit de Robistock 89-87 qui peut dire à nous, Modène Villas dans l'Afrique, Maloya une fou un baiser, mais comme une get zot ban vidéo là, mon bien rié. Ça fait une faire ban développement positif, l'homme la santé. Merci à tous. Merci Pop TV. Et ça, vraiment. Merci Roby, franchement, et ça nous fait une grande découverte pour l'humanité, vous autres. C'est qu'Astella nous a un remède contre la maloya. Et c'est Pop TV, c'est ça la vaccination. Voilà, c'est ici qu'on va se quitter. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre journal. D'ici là, restez fous, c'est comme ça qu'on vous aime. Ciao, bye bye.